Bichantel Lizarazou n'a pas hésité à partager son avis tranché sur la question du capitanat de Kylian Mbappé en équipe de France. Selon l'ancien champion du monde, Mbappé, malgré son talent indiscutable, n'a pas forcément le profil pour être capitaine des Bleus. Dans sa chronique pour l'équipe, Lizarazou a exprimé sa préférence pour un joueur évoluant en défense, estimant que les défenseurs sont naturellement plus collectifs et tactiques. Les attaquants sont souvent plus individualistes et focalisés sur le but et le dribble, affirme-t-il. Pour Lizarazou, le choix de Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2022 était peut-être dicté par un manque d'alternatives solides à l'époque, à l'absence de candidats évidents. Le sélectionneur a désigné Mbappé comme capitaine, écartant du coup Antoine Griezmann, qui lui a récemment pris sa retraite internationale. Cependant, cette décision continue de susciter des débats, notamment après la récente absence de Kylian Mbappé lors du match contre Israël où il a été aperçu en boîte de nuit à Stockholm. Au-delà de l'attitude de Mbappé, les estime estiment qu'il est essentiel que d'autres leaders émergent au sein des Bleus. Il souligne que les joueurs comme Aurélien Chouameni, Jules Koundé ou encore Adrien ont le profil pour endosser davantage de responsabilités. Selon lui, les cadres peuvent apporter le soutien nécessaire à Mbappé, surtout dans un contexte où le leadership doit être partagé. Lizarazu mentionne également les futures options avec les jeunes comme William Saliba ou Ibrahima Konate qui pourraient progressivement prendre leur place dans la hiérarchie. Le débat sur le capitanat de Mbappé relance aussi la question de son implication réelle avec les Bleus. Certains comme Daniel Riolo se demandent si l'attaquant conserve la même flamme qu'à ses débuts après avoir déjà accompli tant de choses à seulement 24 ans. Le talent de Mbappé est indéniable, mais son leadership et son implication à long terme restent des sujets de discussion qui continuent de faire réagir les observateurs de football. Erling Haaland n'est pas du genre à se cacher après une mauvaise performance. Dimanche, la Norvège a subi une lourde défaite face à l'Autriche, un sanglant 5-1 en Ligue des Nations. Alors que la star de Manchester City portait le brassard de capitaine en l'absence de Martin Ødegaard, il est resté mieux sur le terrain et a ensuite esquivé les questions en conférence de presse. Mais Haaland n'a pas tardé à réagir sur Instagram. Désolé tout le monde, ce n'est pas assez bon de ma part. En novembre, nous visons six points, a-t-il déclaré. À seulement 24 ans, l'un est déjà meilleur buteur de l'histoire de la Norvège avec 34 buts en 37 sélections, un record qu'il a battu quelques jours plus tôt. Mais ce succès individuel contraste fortement avec la claque reçue face à l'Autriche, malgré une entrée en jeu prometteuse avec une barre transversale touchée à la cinquième minute. Alain et ses coéquipiers ont rapidement été submergés par la vague autrichienne. Cette défaite est un coup dur pour la Norvège qui occupe désormais la troisième place de son groupe en Ligue B, à égalité de points avec l'Autriche et la Slovénie, mais avec une différence de but défavorable. En novembre, les Norvégiens devront redresser la barre s'ils veulent espérer monter en Ligue A. Le message de Alain clair. Il est temps de se remettre en question et de viser la victoire face à la Slovénie et au Kazakhstan. Antoine Griezmann profite pleinement de sa première trêve internationale après l'annonce de sa retraite des Bleus. À 33 ans, le joueur de l'Atlético Madrid savoure un rythme plus tranquille, lui permettant de se concentrer sur ses passions dans le football américain. Pendant que ses anciens coéquipiers se préparaient pour affronter la Belgique, Griezmann se trouvait à Londres, non pas pour jouer, mais pour assister à un match de la NFL entre les Jacksonville Jaguars et les Chicago Bears au Tottenham Stadium. Le football américain n'est pas qu'un simple passe-temps pour lui. Griezmann est devenu un véritable ambassadeur de ce sport en Europe. Passionné depuis des années, il anime même un podcast sur la NFL diffusé sur les plateformes de la Ligue américaine. Il a également exprimé son souhait d'accueillir un match de la NFL dans le stade de l'Atlético qu'il considère comme le lieu idéal en raison de ses infrastructures et de son ambiance. Même si Griezmann se repose davantage, il ne délaisse pas son travail sur le terrain. Avant son escapade londonienne, il était bien présent aux entraînements de l'Atlético, notamment pour affiner son jeu devant les buts. Sa retraite internationale est vue d'un bon oeil par Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui compte sur un Griezmann plus frais et dédié à 100% à la saison du club madrilène. Le monde du football a failli vivre un moment surréaliste en décembre 2023 lorsque Dunkerque, modeste club de Ligue 2 a tenté de recruter l'une des légendes du poste de gardien, Petr Sech. Christophe Lolichon, entraîneur des gardiens du club nordiste, a révélé avoir proposé à son ancien protégé de remettre les gants pour une pige de six mois. J'ai tenté un coup de folie, a-t-il confié, expliquant qu'il voulait revivre une aventure avec celui qu'il a côtoyé à Rennes et à Chelsea. Setch, aujourd'hui retraité, a même hésité avant de décliner pour des raisons physiques. Ça aurait été un buzz incroyable, mais au-delà du coup médiatique, c'était l'opportunité de retravailler ensemble à expliquer le léchant. L'idée, née d'une relation de longue date, n'a malheureusement pas abouti, et malgré l'enthousiasme de son entraîneur, Setch, qui se consacre désormais au hockey sur glace, a dû refuser à cause des soucis avec ses tendons. Mais l'échange montre à quel point Dunkerque est prêt à tout pour briller. La séparation entre Paul Pogba et la juve semble imminente. À 31 ans, le milieu de terrain français suspendu pour dopage ne portera plus le maillot des biens conneries. Malgré les assurances des dirigeants turinois affirmant qu'aucune décision n'a été prise, le journaliste Fabrizio Romano révèle que les négociations pour une résiliation à l'amiable de son contrat ont bien débuté et devraient bientôt être officialisées. Pobat, dont la suspension initiale de 4 ans a été réduite à 18 mois, pourra revenir sur le terrain en janvier 2025. Avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, l'international français, fort de ses 81 sélections et 11 buts, se doit de trouver un nouveau club pour relancer sa carrière. Sa volonté est de rester en Europe où plusieurs options se présentent à lui. Des discussions ont été d'ailleurs évoquées avec Mehdi Benatia, conseiller sportif de l'Olympique de Marseille, mais aucune décision n'a été prise concernant sa prochaine destination. Alors que le temps presse, Paul Pogba est en quête de nouveaux défis, espérant retrouver un niveau pour prouver qu'il a beaucoup encore à offrir au football. Le retour de Neymar sur le terrain marque un tournant décisif pour le joueur, son club Alilal et la seleção brésilienne. Après une longue absence d'environ un an, en raison d'une grave blessure au genou, Neymar se montre prêt à retrouver un niveau d'élite. Critiqué pour son hygiène de vie et son professionnalisme, le Brésilien apparaît plus affûté que jamais, déterminé à prouver à ses détracteurs qu'il n'a rien perdu de sa magie sur le terrain. Ses récents entraînements avec Alilal Témoigne donc de la bonne forme physique du joueur et qui souligne également l'intensité de son programme de réhabilitation. Malgré sa forme prometteuse, le club saoudien opte pour la prudence en ne l'incluant pas aux compétitions officielles avant janvier 2024. Bien que cela puisse être frustrant pour ses fans, cette décision vise à garantir que Neymar fasse son retour dans les conditions optimales. Le programme de réhabilitation de Neymar est soigneusement conçu pour l'aider à retrouver son meilleur niveau et à 32 ans, il vise la Coupe du Monde 2026 comme un objectif ultime, probablement son dernier en tant que joueur professionnel. Son rêve de soulever le trophée mondial avec le Brésil reste donc à sa portée, mais cela dépend de sa capacité à maintenir sa forme et son niveau de jeu. Les prochains mois seront donc déterminants pour Neymar à la fois pour sa carrière en club, et ses aspirations internationales.